Et salut à tous, c'est Pipou, on se retrouve sur la chaîne pour le 9e épisode de Silent Hill 2. Alors, je suis toujours à l'intérieur de l'hôpital. J'ai l'impression que ça fait 100 ans que je suis dans cet hôpital. Mais version sombre un peu là. Donc là, il faudra que je mette un truc pour monter. Oh, calme-toi! C'est tout dégueulasse, ça. Allez, finis avant qu'elle se relève. Là-bas, il n'y a rien. Il y a quoi là-bas? Des bruits partout, c'est horrible, c'est ignoble. Ça se pète, ça, non? Non. Le problème, c'est que j'essaie de conserver les balles le plus longtemps possible, donc c'est un peu chiant, quoi. Eh ben. Je repasse, hein. Non, non. Rien qui s'ouvre, donc ça il faut le tirer. Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Dans la tronche. Voilà. Dans la tête.
Bon, je commence à avoir un peu plus de balles déjà. 5, 19. Ah merde! Oh! Nourriture! Quelle horreur ces trucs! Oh là là! Donc là c'est bon, là c'est bon. Là on a tout récupéré, c'est bon, c'est débarrassé tout le monde. Il est là à nouveau, il regarde, il observe, il dit qu'il me traînera là-bas, je ne veux pas. C'est ça. Ah, la clé du bureau du directeur. Et ah, nouvelle photo hôtel. Personne ne sait. Le bureau du directeur. Ah d'accord. Il n'y aura plus de douleur. C'est encore une échelle là. Ah! Ouais, mais toujours pareil, une balle par une balle, qu'est-ce que je veux faire? C'est quoi ça? Ça a sauvegardé, je sais pas pourquoi, mais... Là, ça a sauvegardé. Ah, une seringue. Cool. Et je suis à 6 con. Alors, j'ai trouvé le patient 50 dans la salle électroconvulsivothérapie. Oh putain. Sylvothérapie, cette fois, j'ai vérifié, il n'y avait pas de rendez-vous. Comment est-ce possible qu'il soit allé lui-même? Comment serait-il utilisé le matériel? Quelqu'un va devoir rendre des comptes. Mais qu'est-ce que c'est, cette machine de l'horreur? C'est pas rassurant comme endroit ici. Pas du tout. C'est quoi ça? Oh, je vais mourir, je vais mourir. C'est une jeu, c'est merde.
quelle horreur. C'est chiant, c'est que des fois la lumière elle s'éteint, tu vois. Ça c'est chiant. Donc là je peux pas passer. Pas non plus. Ah bah il y a quoi? Ah, attends, il y a des balles là. Ah, j'ai remis le générateur en marche pour l'électricité. Je n'arrêterai pas tant que je n'aurai pas résolu leur cas, je n'arrêterai pas, je ne peux pas, je ne sais plus comment. Bah, de toute façon, ouais, il fallait juste remettre ça en marche, quoi. Ah, 9, 6, 5, 9. Ah merde. Il s'est passé ça, con. Alors, tu l'as peut-être? 9, 6, 5 et 9? Non, pas ça. Alors, 9, 6, 5, 9. J'avais une chance sur deux, de toute façon. Hein. Alors, donc là, c'est bon. Donc là, du coup, il reste que là, hein, en face. Bon, ça m'aurait étonné qu'il n'y ait personne. Ça m'aurait fort étonné qu'il n'y ait personne. Encore une horloge? Il kiffe les horloges ici, non?
Regarde quand ça s'éteint. Regarde quand ça s'éteint. Et par là. Il est caché. Ça fait un an qu'ils m'observent, ils m'ont donné des tas de cachets, mais quand l'heure vient, quand vient l'heure fracassante, je tremble dès que la lumière décline. Regarde quand ça s'éteint. J'ai l'impression d'avoir tout fait là. Là, je suis passé là. Ok. Je savais qu'à un moment il y a un ennemi, mais je vois plus l'ennemi. A disparu la circulation, le bâtard. Quoi? Mais l'autre. Je comprends pas là. Ils me disent regarde quand il fait noir. Je comprends pas ce que je dois regarder.
Mais le truc de l'horloge là, ça servait à quoi ça? Ah, parce que tu avais un truc là, tu te mets là, on te montre que soi-disant tu peux voir l'horloge. L'horloge s'arrêtait du coup sur deux. Ah putain, qu'est-ce que tu fais là toi? Oh! On peut savoir ce que tu faisais foutais là toi? Passé 10 fois par là, jamais vu personne. Ah, je peux pas aller plus loin, je suis bloqué. Et je passais 10 fois par là, jamais vu un seul ennemi. Là, d'un coup, j'arrive, je me fais attaquer. Et je comprends pas ce que je dois faire. C'est ça que je comprends pas. Qu'est-ce qu'il faut voir? Parce que j'ai tout fait là. Regarde quand ça s'éteint. Pas moyen d'éteindre cette merde là, dans le pion pourri là. Y a pas l'interrupteur, non?
Et quoi sur le livre, au fait? Attends. Alors, lire. Ah, ça fait un an qu'ils m'observent. Hein? Ils m'ont donné des tas de cachets. Ok, alors attends. Là, six cachets. Quand vient l'heure fracassante, on a dit c'est deux. Et quand la lumière décline, regardez quand il fait noir. Un, deux. La lumière, elle décline deux fois. Donc, un, six, deux, deux. Putain, ça, c'est dégueulasse. Ah putain, marche pas, c'est pas grave. Quoi je fais pour revenir en arrière là? Ah d'accord, ok, il faut que je passe par M3, M4 et tout ça là. Ça, c'est pas clair, je crois, si c'est ça. Alors, 1, 6, 2 et 2. Ouais, compter le nombre d'objets et tout. Mais je l'avais fait ça déjà avant, non? Ah, y a rien. Tout ça pour que dalle. Ah. Qu'est-ce qu'elle a dans la bouche? Ah, le bouton de l'ascenseur, non? Ange invisible pour tous sauf pour moi qui suis capable de voir la dame de la porte. Ils ne peuvent emprunter son point de fil sous peine qu'ils ne cèdent sous le poids de leur crime. Des corps bouffis et répugnants, tels leurs péchés dont elles se repaient, des péchés et pécheurs, elles me sauvent, c'est un ange. En plus, c'est poète. Il est où ce foutu ascenseur à noir là, là-bas? Quoi? Mec, c'est pris pour Enigma, quoi. Croiré dans Arkham, quoi. Arkham City, quand t'as Enigma là, qui te pose des questions, hein. L'homme mystère. Excellent. Here's your first question. In the early 1800s,
a terrible disease spread across Silent Hill, resulting in the death of many of its inhabitants. Their bodies thrown into the lake to sleep forever in their watery grave. Ouais. How many souls were lost? Quoi? Je sais pas, moi. 1, 42, 2, 67, 3, 85. Know the answer? Well, you better hold on to it. Wow, les questions de merde. Non, non, mais c'était un truc, genre... carte, non, c'est pas ça. Photo étrange. Personnel. Non. Tiens, je m'en rappelle plus. Il y avait un truc, je me rappelle plus ce que c'est, mais... À un moment, genre, il te disait, je sais pas quoi, oui, à l'époque, il y avait une maladie, je sais pas quoi. Mais vas-y, toi, est-ce que je me rappelle de ça quand j'ai fait le jeu? Comme si, genre, et que ça, genre, je m'étais dit, ah putain, ouais, quand même. Hein. Surtout qu'en plus, quand tu vois les chiffres, bon, c'est pas non plus, genre, des trucs de dingue, quoi. T'attendrais, genre, à des milliers de morts, mais... Ah, je sais pas, j'en sais rien. Outskirts of town. One and only one road will take you towards the lumber yard and the cemetery. What is the name of that road? One, Bachman Road. Two, Munson Street. Three, Wiltsey Road. Did you get that? I sure as hell hope so. And for a third and final question, Silent Hill witnessed a gruesome murder a few years back. A brother and sister were playing in the road when they were attacked and chopped into pieces with an axe. Torn flesh, smashed bones, splattered blood. Je sais même pas où il est, le cimetière. Tragedy. What a gruesome end to such innocent lives. One of the victims was a local boy named Billy Locane. Oui, Locane, je me rappelle. Julia, non? That's the last of our questions. Have you got it all figured out? If so, fantastic. The time will soon come to collect your prizes. But be careful. If you're wrong, well. Et comment je réponds aux questions? Que tu crois que je me rappelle des réponses, sincèrement? Thank you.
Aïe! Elle m'a mis un coup de couteau quand même, hein, la garce. Petit coup comme ça. Petit couteau, ouais. Alors, là on est bon, là on est bon, là on est parfait. Donc là on a tout visité. Ok. Next. Il y a là. Là on est tout bon aussi. Là on a l'air d'être bon, on a tout pris. Ok. En face. Là on a l'air pas mal. Là c'est bon. Là-bas je pourrais passer par là. Ok, donc là, 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 c'est l'air bon. Next. Bon. Je peux passer là sans prendre de dégâts? Ouais, c'est bon. Donc là, je peux pas y aller. Ouais, la blanchisserie. Allez, fini au sol. Allez, qu'est-ce que tu me fais là? Allez, dégage-le. J'en aurais bombardé quand même des mecs à coups de... J'en aurais tabassé des mecs à coups de barre en fer, hein, dans ce jeu. Et ting. Petit coup gratuit en passant. Avant ça, je vais quand même aller voir le couloir là. Je sais pas ce qu'il y a là. James. Ah. Mary.
Et de retour alors. Maria, I thought. Sorry. Anyway, I'm glad you're alive. Anyway? What do you mean, anyway? I was almost killed back there. I have never been so scared in my whole life. All you care about is that dead wife of yours. You couldn't care less about me, could you? No, I just... Then stay with me. Un peu, oui. Don't leave me alone again. J'en ai un peu rien à foutre. You're supposed to take care of me. Tu es censé me protéger. I... C'est pas mon rôle, hein. So what about Laura? You found her? Yeah, but she ran away. What? We have to find her. Yeah, you, you really seem to care about that girl. Do you know her? I'd never met her before. I just feel sorry for her. She's all alone and... I don't know, for some reason I feel like it's up to me to protect her. Come on, let's go look for her. Récupérer un anneau en cuivre. Ah, je peux me tailler par là-bas du coup. Oh, lourde, hein. Sorry. Qu'est-ce que c'est cette pièce, hein? Ils ne doivent pas savoir. Grand chose à ramasser là. Is that what I think it is? Having trouble there? Yeah. You think you could give me a hand? Me? You're supposed to be the big man around here. How's a little girl like me supposed to help? Fine. Ah, un deuxième anneau.
Ah, une tête sur celui-là. So, where to now? Come on. I think I know where those rings belong. Les patients deviendront les diagnostics prévus quand ils auront guéri, mon objectif étant toujours pour le personnel, surtout quand leurs symptômes diminueront grâce à un traitement efficace. Il faut les mettre où les anneaux? C'était pas ça avant. C'est quoi cette pièce de merde? Ah, il devrait là. James? What's wrong? Let's just get out of here, okay? Si arrive là. What's wrong? I thought you wanted to get out of here. I know. It's just something doesn't feel right. Come on. Comme tous les endroits, quelque chose cloche, ma fille. C'est pas non plus comme si genre juste avant ça clochait pas. Hein. Non mais au cas où, on sait jamais, tu vois, genre les infirmières mortes qui viennent t'attaquer, les trucs qui te crachent dessus, les zones de merde. Pour elle, tout avait l'air bien, hein, juste avant. Hein. Fait pas ce qui est fait, mais oh, je sais pas. Bon, ben du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Bon, je pense qu'on arrive à la fin là, en fin de l'hôpital.
Ça commence à faire long, hein. C'est bon, on a trouvé un peu tous les trucs et tout qui étaient à récupérer. Je pense qu'on touche le bon bout. De toute façon, on a récupéré Maria avec nous. On a fait les anneaux, voilà, on a un peu tout fait. L'ascenseur, les différents niveaux, l'hôpital normal, l'hôpital dépravé, voilà. Dans l'ensemble, l'hôpital, je pense que c'est bon. On l'a visité en long, en large, en travers. On a même fait, on a fait tous les combles, les fondations, voilà, on a tout fait. Voilà, ben, je vous dis à la prochaine et sur ce, ciao ciao.